Donc je suis chef de tribu. D'abord ma tribu familiale, donc moi, je suis co-chef avec mon épouse. N'oublions jamais que derrière un homme, il y a toujours une femme, donc je suis très fier de ce qu'elle fait. Et je suis chef d'une grande tribu qui s'appelle mieuxplacé.com, qui est une plateforme de vente de produits épargne sur Internet que j'ai créée il y a 2 ans à Bordeaux. Si on n'a pas l'écosystème autour de soi, on n'est pas connecté aux tendances. Donc l'écosystème est absolument nécessaire à affiner cette vision et à en fait échanger. Une entreprise ne se crée pas tout seul, un projet ne se crée pas tout seul, ça se crée au fil de l'interaction. C'est une bonne question, mais la réponse est non. S'investir dans un écosystème ne sert à rien d'autre que s'investir dans un écosystème. Il faut ne rien en attendre et ne rien en espérer. Juste contribuer à un écosystème en se disant que de toute façon, c'est une bonne manière de rendre à l'écosystème ce qu'il vous a apporté. Donc on est toujours dans une position d'apprenant. Moi j'apprends beaucoup auprès des gens que j'accompagne. Être entrepreneur, on est souvent très seul. Donc l'écosystème permet de casser ça. Il lui apporte plusieurs choses. La première, il lui apporte la capacité à discuter des vrais problèmes qu'il a au quotidien avec des gens qui l'ont déjà vécu ou qui vont le vivre demain. On est face à des enjeux financiers qui sont souvent importants. On se sent souvent responsable de la situation familiale aussi de ses salariés lorsqu'on est une start-up. Donc on a quand même une responsabilité qui est assez forte. Donc de fait, on est quand même dans un contexte où échanger est très important. Donc l'écosystème peut apporter ça. On est dans une relation d'homme à homme, on est dans une relation de gens qui portent des projets et on ne fait clairement pas, souvent ni pour l'argent, ni pour autre chose que pour le plaisir d'avoir un truc qu'on a envie de faire, on a envie de laisser une trace. Souvent on a envie de laisser cette trace-là. On peut avoir donc n'importe quel entrepreneur, quel que soit son projet, quelle que soit sa vision, peut apporter à l'écosystème. C'est absolument pas dépendant de son expérience. Non, malheureusement, un entrepreneur est seul. Quoi qu'il arrive, il est seul face à ses problèmes d'argent, il est face aux enjeux familiaux, il est face à ses problèmes de quotidien, il est face à l'adaptation de sa vision, il est face à la qualité d'exécution qu'il mène. Donc de toute façon, il est face à lui-même, quoi qu'il arrive. Il peut se sentir un tout petit peu moins seul dans ses moments d'échange avec l'écosystème et c'est là que c'est important, ça sert de soupape de sécurité. On ne dépense pas de temps, on est dans l'entrepreneur. En fait, il n'y a pas de notion de temps, il n'y a pas de dépense. On échange entre pairs et donc on est dans un système où globalement, on est là pour s'accompagner l'un l'autre et on s'apporte les uns les autres. Donc ce n'est pas une dépense, c'est même plutôt, je pense, un investissement. J'ai eu la chance d'avoir des mentors très tôt, d'avoir compris qu'en réalité on ne se construit pas tout seul, c'est vraiment une question d'échange. C'est vraiment se créer autour de soi, parce qu'on est tout seul, hein, une espèce de petit club de gens avec qui on peut discuter de sujets qui sont des sujets aussi variables que les problématiques opérationnelles, que les sujets stratégiques. Ça empêche de faire des bêtises. On fait moins d'erreurs. Et faire moins d'erreurs, c'est gagner du temps. Gagner du temps, c'est effectivement du coup aller plus vite indirectement, puisqu'on se trompe moins. Donc on a moins d'AB tests toute la journée, mais c'est l'unique objet du système. Rugby, évidemment.